Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec moi, ce beau gosse. Donc yeah. les gars, petit port des familles, hein, on est plutôt bien. On va vous faire des petits... Il y a mon yacht là-bas d'ailleurs. Ouais, il y a le petit yacht des familles au fond là, que vous voyez. C'est à moi. Ici, voilà. Et donc les gars, on va aller, on est actuellement sur la ville de Canet, pour ceux qui connaissent, je me dépêche parce qu'il y a des gens qui vont arriver. On est actuellement sur la ville de Canet. On a fait du skate d'ailleurs. Ouais, là où on a fait le skate dans le dernier vlog qui sera dans la description d'ailleurs. Et donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller essayer de chercher une veste parce que je trouve qu'elle est dégueulasse celle-là. Et voilà, vite, il y a des chats qui arrivent gros. J'arrête la cam, c'est parti. On est à la plage là, il y a de la grosse chatte. Bonjour. Encore que. C'est le début. On vient d'arriver. C'est que le printemps. Putain les gars, on est à la plage là, il y a de la grosse chatte énervée. Putain c'est ouf, l'été arrive hein. L'été arrive, ça fait plaisir. Et c'est que le début, les gars. Printemps. Les gars. Ouais, on est au printemps. Je sais pas si vous avez vu, il y a un vieux tout à l'heure, on a dit ça. Parce que là c'est la dernière fois qu'on fait la scène, il y a un vieux, il nous a dit ça. Frère, le mec, bon bref, on a croisé un gros pervers. Il était avec sa petite fille, hein. Ouais, il était avec sa petite fille, le mec il nous sort, ouais, c'est que le début. Calme-toi, ok. Ceux qui se demandent si on est en vacances, alors pas du tout en fait, c'est juste qu'on vit ici, c'est notre quotidien à la plage, hein, j'ai envie de dire. Ouais, ça, forêt, plage, campagne, skatepark. Voilà, on a un peu tout ici, c'est pour ceux qui demandent où j'habite aussi, c'est à Perpignan, dans le sud de la France. Et donc en fait, le truc c'est que la plage pour vous, pour certains, c'est un truc de fou, pour nous, c'est normal, et des fois ça me casse les couilles d'y aller, je vais pas vous cacher. Même montagne, même faire du ski, tout ça, c'est normal. Ouais, faire du ski, moi c'est un truc de fou, j'y vais pas. Mais parce que ça, j'ai pas assez YouTube money, donc n'hésite pas à partager la vidéo. Merci. Première fois de ma vie que je vois des travaux sur la plage. Gros. Frère, il y a des tracteurs sur la plage. Qu'est-ce que t'en penses, Benjamin? Il fertile de sable. Fertile de sable? Ouais, il fertile, ouais, c'est ça. Professionnel en sable depuis combien de temps? Le sable, c'est ma mère, hein. Je veux dire, je suis né avec le sable en fait. C'est vrai? Ouais, c'est ça. Ouais. Putain, t'es beau, gosse. T'as vu ça? C'est vraiment beau. Bref. Je comprends pas trop, ça casse les couilles, ça gâche le paysage, mais bon. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un bruit de tracteur, je suis désolé les gars. On va essayer de monter, mesdames et messieurs, ça. Voilà, celui qui gagne. Alors, on dirait pas de là, mais regardez quand on est en bas. Non, on dirait pas non plus, mais ça fait gros, c'est assez énorme. Hein ? Voilà, comme ma bite. Et donc en gros, c'est les tracteurs là-bas qui ont fait cette putain de dune. Il va falloir la monter le plus vite possible. On va enlever les chaussures. On va enlever les chaussures, ok, d'accord. Donc on se retrouve pour cette compétition maintenant. 3, 2, 1. Oh, la tête de ma mère. Oh, c'est énorme, vas-y fais-le. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Du coup, on veut aller en ville pour vous faire des petits plans en vlog un peu sympa les gars. Et le problème c'est que le bus est payant. Et on peut pas y aller à pied, c'est un peu long. Donc le bus est payant. 3 heures à pied. Hein. Ouais, 3 heures à pied. Le bus est payant et ce fils de pute, hein, on va pas se le cacher. Monsieur, je lui ai dit d'amener de l'argent. Qu'est-ce qu'il arrive? J'amène pas d'argent. Bon, donc du coup, ce qu'on va faire, on va utiliser une célèbre technique du gitan. Du gitan, c'est trois fois. Si t'es gitan, te vexe pas. On va gratter de l'argent, 1,30€ s'il nous faut, au passant. Et on vous fait ça. Il y a un truc de la blague. Non, mais c'est bon, t'inquiète. On va gratter ça. On vous fait ça en caméra cachée, les gars. C'est parti, go. Tu sais ce que je te donne là-bas? Je te paye la place. Non, mais je vais pas vous déranger quand même. Mais non, mais on prend le même bus. Le 6? Oui, voilà. Donc je vais te déranger. Je vais pas te donner 5€, d'accord? Non, quand même pas. Tu comprends? Oui, c'est normal. Donc je te paye la place, ok? D'accord, merci, merci. Voilà. Voilà.
fait payer son ticket par une meuf. Par une... On connaît pas. Regarde-le. On a trouvé une meuf qui a accepté de payer son ticket. Bon donc là les gars on est dans notre petit village là, la petite la Combrousse j'ai envie de dire. Le terre-terre. Voilà le terre-terre. Je veux dire. On n'est pas en ville, on n'est pas à Canet comme la dernière fois. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'en fait il y a un pote, il nous a conseillé un terrain de cross en fait. C'est ça. Ouais c'est un terrain de cross. Un terrain de cross, alors on a les vélos comme vous le voyez là. Mais niveau cross on est des merdes, hein. On sait pas du tout en faire. Bah c'est même pas des BMX donc ouais. C'est rien du tout, c'était petit vélo. Un vieux vélo rose. De sa sœur. Bon bref voilà, donc c'est de la merde mais bon écoutez les gars ça peut être sympa. Donc on y va, c'est parti. Les gars, on est arrivé. Franchement, j'ai rien à dire, c'est juste. Regardez ça, quoi. C'est magnifique, quoi. C'est magnifique. Et quand je pense, ça me fait chier de dire ça, mais je suis sûr, dans 5 ans, ça existe plus, quoi. Dans 5 ans, tout ça, c'est des immeubles, quoi. Ça me casse les couilles. On détruit tout, on est une espèce de fils de pute. De toute façon, c'est dit, les gars. Tiens, fils de pute. Tiens. Du coup, les gars, je vais vous faire une petite timelapse de qualité du terrain cross parce qu'il est vraiment. Il est énorme, la tête de ma mère, je l'ai testé une fois, il est énorme. Donc allez, c'est parti. Donc je sais pas si ça rend trop bien à la cam en fait. Mais le truc est vraiment énorme, hein, je sais pas comment on va appeler ça le parcours de cross. Hein. Il est vraiment énorme, donc on va essayer de se le faire en vélo. On va essayer de prendre des trucs rapides, de le faire des petits levées de route, tu vois. Yeah, la pilote un petit peu, j'ai envie de dire. Et voilà. Et voilà, après on va peut-être aller dans un parc ou on va peut-être aller voir des éoliennes, j'ai envie de dire. Hein. Allez, c'est parti. Ouais les gars, donc au final, vous me verrez pas tester le parcours de cross parce que ça rend mal. Là, je suis skater du futur au montage, hein, regarde, hein, je suis en train de taper le montage actuellement. Et en fait, ça rend vraiment pas beau, ça fait un vlog chiant, trop lent. Et en fait, c'est de la merde. Du coup, en bonus, je vais vous mettre avec mon pote Benjamin que vous voyez depuis le début du vlog. Quand en fait, on est passé devant une église où il y avait des scouts et tout, il y avait un gros rassemblement. Et ben, j'avais l'ampli. Et du coup, on a mis Jul, l'ovni, sur l'ampli. On est passé devant tout le monde. Je vous balance le truc comme ça. Bon, ça va être rigolo. Allez, regarde ça. Franchement, regarde. Les gars, c'est pour vous, c'est pour les abonnés, risque pour les abonnés. On m'a fait la boue. 300 mains, vas-y, avance. Non, viens à côté de moi. Ah, faut que je te file. On m'a fait la boue. On passe par la gauche après. Hein. C'est gênant. La boue, je suis parti, toi tu le béton. Je ne veux pas qu'il tombe béton, je veux que ça retourne comme béton. Regarde pas. Fais mec, classe. Il faudra qu'on suive. On l'a fait. Il y avait le pape. On est passé avec Jul, l'ovni. Et voilà les gars, on arrive à la fin de ce vlog. J'espère que la vidéo t'a plu. C'est vrai que c'est une vidéo sur laquelle j'ai fait énormément de montage. C'est celle la plus travaillée de ma chaîne, hein, pour l'instant. Je pense que je vais travailler un peu plus mes vidéos, ce qui va ralentir le rythme de sortie, mais je préfère privilégier la qualité à la quantité, comme vous le savez. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, partager. Et moi je te fais de gros bisous et ciao.